Bien, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2017 pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation de mode. Donc, c'est un pack de John Deere. Enfin, ils sont pas ensemble, ils sont un peu séparés, mais c'est un joli pack de John Deere. Donc, c'est. Il y a le 5115M qui est le plus petit John Deere qu'on peut avoir sur FS17, il me semble. J'ai pas vu plus petit sur les sites de mode, donc il est pas mal, je trouve. Donc, on va vite fait se mettre en vue intérieure. Il a lissé, par contre, je sais pas ce qu'on peut ouvrir. Attends. Parce que il n'est pas marqué de. On voit que les fenêtres, d'accord. On peut pas ouvrir les portes, c'est bien dommage. C'est pas très très grave, un peu quand même, mais c'est pas très très non plus très très important. Voilà, donc on va passer. Non, je vais juste vous montrer vite fait dans le magasin, c'est lequel, c'est lui. Donc on peut mettre un chargeur avant, oui ou non. Et on peut avoir, donc moi c'est celui-là que j'ai pris. On peut avoir le 5115, on peut avoir le 5100, le 5085 et le 5075. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on va passer à la gamme en dessus, donc on passe de 5000 à 6000, voilà. Donc je me suis trompé de place, c'est pas grave. Donc là, un 6250, donc est plutôt joli. Par contre, on peut pas, merde, monter dedans. Comme ça, il faut rentrer normalement. Voilà, donc aussi avec un IC. Donc on va mettre la tâche, parce que si on peut pas, on va baisser la carte. Voilà, donc on peut ouvrir la porte, reculer notre siège. Ça, c'est pour monter ou baisser le dossier. Donc moi, je vais monter, je vais me remettre devant. Là, on peut monter le siège, voilà, donc c'est pas mal non plus. Et on peut ouvrir les fenêtres, il me semble, voilà, et la porte de gauche aussi, voilà. Donc on ferme la porte, tac, voilà. Donc c'est aussi un très beau mode, donc il est où, donc c'est, tac, 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 c'est celui-là. Donc on peut avoir le 6230R ou le 6250R. Ensuite, la configuration des roues, donc on peut changer. Moi et 3, j'aime pas. Jumelé, j'aime pas trop. Donc je laisse en standard. Peut-être la masse d'équilibrage aussi qui est peut-être pas mal. Et la perlasse personnalisée, là je sais pas trop quoi mettre. C'est un peu bizarre. Enfin, je connais pas trop. Je suis pas trop fort en anglais. Ensuite, on passe à la gamme au-dessus. Pourtant, on dirait qu'il est un peu plus petit. Mais niveau, je sais pas, chevaux, hein, je pense. Il fait 7000. Quoi, ça c'est pour les jantes, enfin non, les gardes debout plutôt. Merde, tombe de touche. Attends, on va les enlever vite fait. Hop, on peut enlever celle de derrière. Non, ok, on va enlever que celle de devant. Je pense que je préfère 100. Ouais, donc on rentre, on peut déjà ouvrir la porte, donc ça c'est plutôt pas mal, sans la TH, qui est aussi une bonne chose. Et niveau ATH, on est plutôt bien servi, je trouve. Donc là, c'est pour ouvrir le capot, donc c'est plutôt pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est, donc on peut ouvrir la porte. Je sais pas ce que, à quoi ça sert, ça non plus. Là, c'est pour ouvrir la porte. Là, je sais pas à quoi ça sert, démarrer le moteur peut-être, ou je sais pas. Donc là, c'est pour ouvrir la petite fenêtre. Joli, là ouvrir la grande fenêtre, voilà. Donc il est aussi plutôt pas mal, donc c'est le 7000, c'est celui là donc on peut mettre en 7800 ou en 7810. Donc moi j'ai pris le combien j'ai pris, un 10, voilà. Hop. Oula, petit bug. Ah ouais, d'accord. Donc ça on peut y mettre et on peut y enlever, donc je vais peut-être quand même y remettre. Attends. Je crois que j'ai fait une connerie. Ah oui, parce que je me trompe de tracteur, c'est normal. Donc on va prendre celui-là et on va vite fait remettre ça et ça. Voilà, que ça traîne plus par terre. Bon, bah, allez, bah, bon, c'est pas grave. Et on passe au gros, le 7370, qui est l'un des plus beaux John Deere, je trouve, pour moi, par ma part, hein, pour vous, je sais pas. C'est l'un des plus beaux et des plus gros aussi. Bon, il y en a un
encore un autre avec des chenilles énormes, enfin le nouveau qui vient de sortir dans la réalité, hein, je parle, et aussi dans le jeu, qui est aussi pas mal. Je sais pas si je l'ai, je sais pas. Donc qui est lui aussi pas mal avec aussi la TH, tac. Voilà, la porte, on peut monter le siège, on peut, je sais pourquoi encore, y a pas mal de trucs. Là c'est pour les essuie-glaces, non c'est pour le rideau. Parce que je sais que sur un tracteur on peut faire les essuie-glaces, donc c'est plutôt pas mal. Donc la porte, la fenêtre je crois qu'on peut pas, j'ai essayé hier. Ah si, là, je l'ai pas vu hier par contre. Donc voilà, et on peut pas ouvrir la porte droite, donc bon là c'est un... C'est plutôt un joli John Deere, je trouve, le 8000. Donc, assez avec sa petite masse devant, il fait super joli. Il a pas mal de chevaux, donc c'est celui. Le 8000, c'est. Non. Si, c'est lui, je crois. Attendez. C'est un 8000 combien? C'est un 8370. Donc, c'est. Alors attends, c'est celui-là. Voilà, j'étais tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. 8370, donc on peut configurer les roues en jumelé, en Zavari, en, oui, en Zavazi plutôt. Je sais pas ce que c'est, Zavazi. Et là aussi, on peut modifier l'hydraulica. Donc je pense que c'est l'hydraulique. Voilà, donc il fait 360. Non, il fait pas 370, il en fait celui que j'ai pris. Si, celui que j'ai pris 370. Et le plus petit il en fait 320, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà une belle bête. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo présentation. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça ferait énormément plaisir. Et à partager si vous pouvez. Si vous voulez aussi faire un don, que je vous mettrai le lien dans la description pour mon setup, ça serait super sympa. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Et moi, je vous dis salut, salut!